directeur général de la Sénégalaise des Eaux. Alors, quel est l'objectif de votre visite aujourd'hui? Merci. Nous savons tous que le Gabon est un environnement majeur qui ressemble énormément du monde. Pour que les besoins en eau soient énormes. Le comité d'organisation ainsi que les autorités religieuses avaient émis des vœux, des souhaits que nous avons transformés en engagement. C'est quoi? C'est faire en sorte que la couverture d'eau soit assurée pendant les jours du Cameroun, donc jeudi, et puis surtout qu'il y ait des points d'eau. 350 points d'eau ont été installés par nous, les Sénégalais des Eaux, en relation avec la forêt, sous l'autorité du ministère de l'Économie, bien entendu. Il fallait faire 1000 branchements sociaux, cela a été fait, il fallait faire des extensions. Il y a des sites d'hébergement à environ 800, faire en sorte que tous les sites soient munis d'eau. C'est ça qui était l'objet de notre visite. Voir le niveau d'avancement de nos engagements, donc principalement tout a été fait, puis recueillir l'avis du comité d'organisation et du Khalife général des Tijanes. Tous nous ont manifesté leur satisfaction, je pense que vous avez été témoin de ces déclarations. Donc nous acheminons vers un Gamou sans grosses difficultés en matière de distribution d'eau. Voilà. Nous avons vu que lors du CERN, le problème de l'eau posait énormément de difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, les points qui ont été soulevés durant ce CERN ont été satisfaits? Il y a un point qui a été soulevé, c'était faire en sorte qu'il y ait 50 familles citadines. Aujourd'hui, ils sont tous là et nous allons les gérer en relation avec le comité d'organisation. Le reste, c'est comme d'habitude, ça a été fait. Il n'y a pas eu de difficulté majeure sur ce point-là. Je vais juste ajouter qu'il y a quatre zones que nous surveillons habituellement. C'est Tiwaonwolo, c'est Kirkmaobala, c'est le quartier de Serigne Mansour qui sont en topographie élevée et des renforcements ont été faits au niveau de ces zones pour que l'eau n'y manque pas pendant le Gamou. Dans ces zones-là, mais le principal problème, c'est que c'est des quartiers qui sont à topographie élevée, qui ont été faits tout récemment et il n'y avait pas encore suffisamment de réseaux. Et ça a été fait cette année pour que l'impact soit meilleur en termes de manque d'eau. Mais pourquoi les gens se plaignent de la qualité de l'eau? Ben non, il n'y a pas de difficulté de qualité de l'eau ici à Tiwaonwolo. L'eau nous vient du Dabré Guerre, du Kermoumarsar et des mythes. Et tout ce qui est qualité organoleptique, donc le goût, ou qualité bactériologique, c'est absolument conforme, il n'y a aucune difficulté par rapport à ce niveau. Il y aura des bâches également? Oui, en plus des camions citernes, il y a des bâches, bien entendu, ça fait partie des dispositifs qui servent de lieu d'accompagnement. N'oublions pas, notons tous ensemble que c'est un événement majeur, c'est une pointe annuelle qui fait qu'il y a des besoins en eau sur l'eau. Donc les mesures d'accompagnement, c'est les camions citernes, c'est les bâches en eau, et au moment où nous parlons, tout est en place.